Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous exposer la meilleure stratégie pour valider vos challenges propres firmes. Alors pas seulement pour valider vos challenges, ça sera également une excellente stratégie pour trader même si vous êtes sur chez un broker classique ou si vous tradez les crypto-monnaies par exemple sur des plateformes comme Bybit ou Binance, cette stratégie vous sera extrêmement profitable. Vu que la plupart des membres de ma communauté sur Telegram veulent passer et réussir des challenges propres firmes sur FTMO, Nova ou autre, je vous expose donc du coup la stratégie qui va vous permettre de cartonner. Idéalement du coup avec notre indicateur, le Magic Freecom, qui va vous permettre de prendre des trades très facilement manuellement. Ou alors avec notre robot de trading 100% automatique qui fera tout le travail automatiquement. Alors, quelle est la stratégie employée? Ça sera très simple. Il va s'agir donc de suivi de tendance et de retournement de tendance. Alors, commençons avec du coup l'indicateur Magic Freecom. Il se décompose en deux parties. Vous avez les Magic Line ici qui sont les pointillés bleus qui vous montrent la tendance. Donc ici, on est en tendance haussière et vous avez du coup les Magic Line rouge, les pointillés rouges ici, qui vous montrent que la tendance est baissière. Donc quand les pointillés sont bleus, vous n'allez saisir que des opportunités à la hausse, c'est très important. Et quand les pointillés sont rouges, vous n'allez saisir que des opportunités à la baisse. Quelles sont ces opportunités? Eh bien, ça va être très simple avec les magic bars. Du coup, quand on est en tendance haussière, on va regarder uniquement les magic bars orange qui se forment et pas les magic bars vertes. Ok? Uniquement les magic bars orange. Et à partir de là, vous aurez deux choix. Soit vous allez placer un ordre en attente au-dessus de la barre. Quand la barre se forme, vous allez recevoir une notification sur votre portable si vous avez l'application TradingView, puisque l'indicateur fonctionne uniquement sur TradingView. Donc du coup, quand vous voyez qu'une barre se forme, vous pouvez placer un ordre en attente au-dessus de cette barre, en sachant que dans une tendance haussière, si la barre elle est perforée vers le haut, c'est que la tendance ben, elle va continuer à la hausse, tout simplement. Parce que les magic bars se forment sur des zones de support et résistance stratégiques. Quand le prix effectue un rebond sur ces fameuses zones de support et résistance, cela va se matérialiser par une magic bar orange ici ou par une magic bar verte quand on est en tendance baissière. Et si le prix y revient pour casser cette magic bar à la hausse, c'est que la tendance elle va continuer à la hausse, ok? Et tant que les magic bars elles sont cassées à la hausse, ben le prix il continue de grimper. En tendance baissière, donc quand les magic lines sont rouges, et ben tant que le prix continue de casser les magic bars vertes à la baisse, c'est que la tendance elle continue de baisser. Et quand le prix il ne revient plus pour casser ces magic bars vertes ou orange, c'est que le prix s'essouffle, la tendance s'essouffle et la tendance va se retourner. Donc à partir de là, vous pouvez être le mieux placé pour attraper un retournement de tendance. Avec l'indicateur, c'est vraiment très simple de visualiser des retournements de tendance. Alors suivez bien, parce que c'est très important de bien suivre la stratégie. Admettons que vous êtes en tendance baissière ici, donc vous avez les pointillés rouges, d'accord? La tendance, elle est baissière, donc vous prenez vos trades tranquillement, et là vous voyez que le prix, il ne revient plus pour casser la magic bar verte, ok? Et le prix, il commence à se retourner. Le premier signe de retournement de tendance, ça va être du coup le prix qui ne revient plus sur la magic bar. Le deuxième signe de retournement, ça va être du coup ben, la magic line qui devient bleue. Et là, très attention, vous allez regarder si une magic bar orange apparaît en dehors, au-dessus des pointillés rouges. C'est très important, capital, vital même, de ne regarder que la magic bar qui se forme au-dessus des pointillés rouges quand on veut attraper un changement de tendance à la hausse, ok, et quand on veut attraper un changement de tendance à la baisse, on va regarder la première magic bar verte qui apparaît en dessous, je dis bien en dessous des pointillés bleus. Donc vous avez du coup les magic lines qui ont changé de couleur, les pointillés ont changé de couleur, et vous allez attendre une magic bar verte qui apparaît en dessous des pointillés bleus.
Quand vous voyez cette barre apparaître, vous allez placer un ordre en attente. Donc, ce n'est pas un ordre instantané, c'est un ordre en attente. Ça veut dire que, une fois qu'il est placé ici, vous pouvez vaquer à vos occupations. Et si et seulement si le prix il casse la barre verte pour atteindre la zone de déclenchement de votre ordre, bien, votre ordre va se déclencher. Et dites-vous bien qu'à chaque fois qu'une magique barre verte apparaît en dessous des pointillés bleus, dès que cette barre elle est cassée à la baisse, on a un retournement de tendance. De même, dès que vous avez une magique barre orange qui apparaît au-dessus des pointillés rouges et que cette magique barre orange elle est cassée à la hausse avec les pointillés bleus, bien entendu, c'est un retournement de tendance à la hausse. Donc du coup, vous allez prendre un trade à ce niveau-là et vous allez suivre votre trade jusqu'au prochain retournement. Et regardez ici, vous avez un faux signal que vous n'aurez pas pris tout simplement parce que la magic bar verte ici, qui apparaît bien en dessous des pointillés bleus, et bien cette magic bar verte, elle n'est pas cassée vers le bas. Si elle n'est pas cassée vers le bas, c'est un faux signal, il n'y avait pas de retournement, le prix y continue. Et là, vous voyez une magic bar orange qui apparaît au-dessus des pointillés rouges. Cette magique barre orange, elle est cassée à la hausse, c'est qu'on continue du coup la tendance haussière. Et tant qu'il n'y a pas de retournement de tendance, vous conservez votre trade, c'est aussi simple que ça. On peut regarder plusieurs exemples et vous voyez que vous auriez eu un très grand nombre de trades gagnants. Et l'avantage quand vous arrivez à attraper une tendance au début, donc quand il y a un retournement, c'est que chacun de vos trades va vous générer un maximum de profit pour un minimum de drawdown, puisque vous aurez très peu, voire quasiment pas de trades perdants. Et donc du coup, vos challenges FTMO ou autres vont être réussis assez facilement, puisqu'il vous suffira de peu de trades pour valider vos challenges. J'ai eu des clients qui ont validé leur challenge en seulement 2 ou 3 trades, alors que d'autres personnes galèrent avec plusieurs trades tous les jours pour tenter de valider leur challenge. Avec notre indicateur Magic Freecom, c'est vraiment très très simple. Regardez ici par exemple, vous avez une magic barre orange qui est apparue du coup au-dessus des pointillés rouges. Du coup, vous chopez une tendance haussière qui est pas très forte, hein, mais qui est quand même suffisante pour générer des profits. Vous avez ici un faux signal que vous n'auriez pas pris, parce que vous voyez ici qu'une magic barre verte apparaît en dessous des pointillés bleus, mais elle n'est pas cassée. Du coup, vous ne rentrez pas sur le trade. Ici, en revanche, vous avez une magic barre verte qui apparaît en dessous des pointillés bleus et elle est cassée à la baisse. On a donc une tendance baissière, une belle tendance baissière, hein. Vous voyez un maximum de pips, un maximum de profit. Et vous voyez qu'en suivant cette stratégie, vous allez choper des vagues extrêmement longue, puisque vous ne sortez du trade que lorsqu'il y a un nouveau retournement de tendance. Donc certaines vagues vont être assez courtes, mais quand même profitables, et d'autres vagues vont être très longues, donc très profitables. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que vous avez une magic barre orange qui apparaît au-dessus des pointillés rouges et qu'elle est cassée à la hausse, c'est qu'on a un retournement de tendance. Vous allez générer pas mal de pips. De même, vous avez une magic barre verte qui apparaît en dessous des pointillés bleus, qu'elle est cassée à la baisse, ben c'est que vous avez une tendance baissière qui se met en place, une vague baissière qui se met en place. Certaines vagues, comme je vous l'ai dit, sont plus fortes que d'autres. Ben vous allez toutes les attraper en suivant cette stratégie et générer un maximum de profit. Donc, vous pouvez le faire. Du coup, vous voyez là, j'ai reçu une alerte, une notification pour l'indicateur Magic Freecom. Donc, vous pouvez le faire manuellement avec l'indicateur ou vous pouvez utiliser notre robot de trading, le Magic Freecom, qui fait le travail automatiquement. Il fait absolument tout automatiquement. Vous n'avez juste qu'à l'installer sur MetaTrader. Donc, je précise que l'indicateur Magic Freecom, il est pour TradingView. Donc vous allez suivre vos trades sous TradingView, puis vous allez placer vos trades sur votre broker ou chez votre propre firme. Et vous avez le robot de trading automatique qui lui va faire absolument tout le travail automatiquement sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Si vous tradez manuellement avec l'indicateur, une fois que vous avez placé votre trade, votre stop loss, ça va être les pointillés. Vous allez suivre les pointillés et remonter votre stop loss à chaque fois. Et puis ensuite, quand vous voyez qu'une magic barre
verte apparaît, fait, quand il y a des signaux de retournement qui commencent à apparaître, ben, vous ne remontez plus votre stop loss, vous attendez une confirmation. Donc s'il y a bien une cassure de Magic Bar à la baisse ou à la hausse, et là vous coupez votre trade et vous rentrez sur le nouveau trade, tout simplement. Vous pouvez appliquer cette stratégie en time frame 5 minutes, 15 minutes ou 1 heure. Plus le time frame est élevé et plus les gains par trade vont être élevés, puisque chaque bougie va vous rapporter plus de pips et donc plus de profit, tout simplement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous êtes intéressé par notre indicateur Magic Precom ou par notre robot de trading 100% automatique, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir nos outils de trading et commencer à performer. Je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage toute l'actualité sur nos outils de trading et sur les performances réalisées par nos clients qui utilisent nos outils et qui réussissent, qui valident leur challenge, etc. Je partage également des conseils et astuces pour améliorer vos stratégies de trading. Donc, rejoignez-nous sur Telegram, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Pour ceux qui sont déjà clients du robot de trading, il y a une mise à jour, une belle mise à jour à venir sur le robot. Je vous ferai part de l'actualité sur le canal Telegram et vous recevrez vos mises à jour directement sur Telegram également. Vous pouvez également me contacter directement sur Telegram ici. Vous avez mon contact ici. Je suis joignable en tout temps. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de faire un maximum de profit. Comme vous voyez ici sur US 30, la tendance elle est haussière. Si vous auriez attrapé votre trade ici, à la cassure ici, et ben ça vous fait tout ça de profit. D'accord? Donc depuis le 1er novembre jusqu'au 23 novembre, un seul trade, vous auriez généré un maximum de profit. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!